Donc, nous sommes avec l'équipe I de fiscalité, oui, que, comme je disais bien. Alors, l'équipe de fiscalité I, est-ce que vous avez été surpris par le cas que vous avez eu ce matin? Quand même assez. Il y avait beaucoup de contenu. On a essayé de couvrir le plus possible. On a manqué un petit peu de temps à la fin, mais je pense qu'on a fait une bonne job, en général. Puis, est-ce que le stress est tombé de ce côté-là? Ça commence tranquillement. Là, je commence à réaliser que c'est terminé puis que tous nos efforts, ça va peut-être mener à quelque chose, finalement. Comment se sont passées vos 3 heures de résolution ensemble? Ça a vraiment bien été. Quand on a vraiment une belle chimie d'équipe et tout ça. Là. Pas de stress, puis super, super cool. On mangeait des bonbons, fait qu'on était correct. ça aide les bonbons, ça aère l'esprit. Au niveau de la préparation, pouvez-vous nous expliquer brièvement comment vous avez fait pour vous préparer tout au long de l'année? Quels ont été vos processus? Comment vous êtes rencontrés? Puis nous expliquer un peu comment vous avez fait. Ben, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de pratiques académiques. Donc, on se pratiquait à pitcher, beaucoup de révisions en équipe, en groupe. Faire des révisions de matière, mais on a aussi fait beaucoup de 5 à 7 entre nous, avec l'équipe de comptabilité, juste pour créer un esprit d'équipe, une chimie d'équipe pour qu'on soit tous ensemble puis engagés, puis ça a bien été. Pourquoi croyez-vous que c'est vous qui avez été choisi plutôt que d'autres personnes qui pourraient être dans les jeux du commerce à votre place pour votre école? En fait, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. On a fait l'annuaire financier l'année passée, puis on a eu une première place. Donc, je crois que ça a pesé beaucoup dans la balance. Et puis, j'imagine alors que des try-outs aussi, là, à notre université, les gens ont vu qu'on est vraiment motivés, qu'on veut vraiment avoir une autre première place, qu'on était pour faire tous les efforts, sans compter le fait qu'on n'est plus juste des partners, là, on est vraiment des amis. Donc, ça aussi, ça compte beaucoup dans la balance, selon moi. Donc, Puis, au niveau de l'expérience des Jeux du commerce, est-ce que c'est vos premiers, vos derniers? Puis, comment est-ce que vous trouvez ça à Sherbrooke? Comment vous trouvez l'organisation? Est-ce que vous aimez ça jusqu'à maintenant? Ben oui, ça va super bien jusqu'à maintenant. Là. Les bénévoles sont super gentils et tout ça. Puis l'expérience est vraiment bonne. Tu sais, c'est vraiment le fun. Tu apprends justement à parler devant les gens, à t'exprimer et tout ça. Puis c'est quelque chose d'immanquable. Oui, je suis tout à fait d'accord. je crois que Samuel a fait le tour. Oui, ben c'est ça. Je pense que c'est nos derniers jeux dans le fond. C'est mes deuxièmes, c'est deuxièmes, c'est premiers. Donc c'est nos derniers jeux. On est venu ici pour tout laisser sur la table dans le fond. Dernier effort. Puis ça a super bien été, belle organisation, les gens sont prêts, les gens sont beaux, les gens sont là pour gagner, c'est ça qu'il faut. Super, je vous souhaite bonne chance et une bonne fin de Jeux du commerce à vous. Merci. Bonne chance.